Effectivement, il faut dès le départ, lorsqu'on parle de déboisement, faire la distinction entre un industriel forestier qui cherche à faire de l'argent avec une activité commerciale comme celle-là, donc il choisit le meilleur terrain, celui qui est le plus propice, avec les meilleurs potentiels, donc c'est ce qui est fait, alors que Hydro-Québec ne cherche pas à faire de l'argent avec ce bois-là, a des mesures d'atténuation à respecter et veut déboiser au maximum. Alors à ce moment-là, on déboise ce qui est là dans des endroits escarpés où il faut des fois à la limite dynamiter pour être capable d'avoir accès à tous les endroits et retirer le maximum de bois, ce qui est beaucoup plus coûteux que ce qu'un industriel ferait pour commercialiser du bois. Le bois a encore une valeur marchande. 80% du bois qui a été coupé du côté de la Romaine est déjà sorti, a été valorisé, a été traité. Le 5%, ce qui a été l'objet du reportage, c'est environ 5% du bois que l'on cherche encore à sortir, qui est encore commercialisable, qui a encore une valeur. Il ne nous reste qu'à convenir d'entente avec nos partenaires et nous pour le sortir. Il y a encore plein de potentiel dans ce bois-là, mais il faut faire rapidement, effectivement. Je pense que nous, on a en toute transparence fourni des informations qui étaient validées par des firmes externes. On aurait aimé que chacune de ces informations-là soit bien traitée et qu'elle fasse partie du résultat final du reportage. On peut penser que la journaliste a fait un choix éditorial de prendre certaines informations et de laisser de côté certaines informations qui auraient, nous le pensons, en même convaincu, auraient donné une image différente à la population de ce que Hydro-Québec a réellement fait dans le déboisement des réservoirs de la Romaine.